Les gars, ça va faire bientôt 6 mois qu'on n'a pas tourné ensemble dans le même studio. Et je me suis dit, comme on est un peu en mode nostalgie parce qu'on est en train de faire la réaction dans cette vidéo, pourquoi on ne referait pas l'intro dans une langue? Oui, on relance la roue. Oui, c'est vrai. Il m'a même pas prévenu, frère. Avant, tu sais, avant, il faut faire en mode vas-y, ouais. On fait ça, ça et ça. Il m'a même pas prévenu. Rien du tout. Là, je suis choqué, je suis en mode ah, tel cas. Coréen. Coréen! Ok. 안녕하세요. PBROS입니다. 패러디 브라더스의 스티븐과 올리비에입니다. 오늘 우리는 특별한 새 영상을 위해 다시 만났습니다. Et pour tous les Coréens ou tous ceux qui sont fans de la Corée, désolé. 안녕하세요. PBROS입니다. Parodi Beru, Parodiou, CU, CU Tibagua. Olibinda. On est où l'inouïn? Tokbiolan. Tokbiolan, Saï, Yong Seoul, Waye Dasi, Manasumundina. Manasumundina. T'as tout dit, on fait compte. Mais c'est pas grave. Bien joué, bien joué. Non, franchement. Bien joué de quoi? J'ai tout raté. Non, franchement, on a tout raté. Je pense que c'est la langue la plus difficile qu'on a pu faire. Ah ouais, même chinois, c'était plus facile. Non, non, vraiment, on aime beaucoup la Corée, leur culture, etc. Oui. Leurs films. Magnifique, leur série incroyable, leur nourriture incroyable, leur musique incroyable, tout ce qu'ils font en fait c'est incroyable, c'est un peuple magnifique. Ouais, et nous allons déménager là-bas. Pas du tout, c'était pas juste du tout. Pour essayer de... Ouais, mais pas du tout. Là c'est quand on disait ouais, je pars ici, j'ai un ami noir, non. Pardon? Oui, non, non, ça n'a aucun rapport. Non, c'est juste pour lancer une rumeur. Là, ça fait aucun rapport. Enfin, bref, aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on se retrouve pour une réaction d'une certaine vidéo. Et on reprend là où on était, c'est-à-dire après la vidéo de. Ouais, punition. Là, on va réagir parce que voilà, il y a pas mal de personnes qui sont en mode ouais, continuer les réactions et tout ça. Ouais. On va refaire les essais de Paris. On va retourner dans ce studio. Oui. En attendant. Voilà. Ah, okay, okay, oui, oui. En attendant, voilà. Et donc, en fait, là, on va réagir à la vidéo quand il fait nuit. Oh, le lit s'est fait reposer. Attends, c'est quelle coupe que tu as en plus? Ça, c'est pas normal. Non, c'est une coupe normale. Un peu haute, je crois. Avec l'éponge. Avec ta moustache de daron, là. Oh, ça va. Oh non. Oh, pipi. C'est pas grave. Je sais où c'est. Oh, il fait vraiment nuit noire, hein. On n'a pas mis l'image, on a juste mis le son. Ah, oh, oui. Ouf. Oh là là. C'est vrai? C'est qui? C'est Olivier. Mais tu fais quoi dans les toilettes? Ah, je suis dans les toilettes, là. Bah oui. Attends, toi, comme tout le monde, je sais pas. Ah, attends. Quoi? Et je me suis pas lavé, moi. Hein? Oh, yeah, yeah, cette scène. Elle est magnifique. Magnifique. Et qu'on a adapté en BD. En BD est-ce aussi. Est-ce que c'est un tome 1 ou tome 2? À vous de le découvrir en achetant. Exactement, les gars. C'est une scène presque réelle. Hein, parce que c'est quelque chose, c'est un membre de la famille qui l'a vécu. Il est allé aux toilettes, puis en fait, il y a quelqu'un qui dormait en fin de compte. Dans la baignoire. Parce que quelqu'un ronflait tellement fort qu'il a décidé de dormir dans la baignoire. Et en gros, ben, la personne allait aux toilettes. Et en fin de compte, il regardait à côté, il voyait quelqu'un dans la baignoire. Donc en gros, ça a donné cette situation. Ouais. On l'a adapté à notre sauce. Et on l'a tourné, mais j'étais en fou rire après. Elle était incroyable. Mais attends, Steve, est-ce que tu portes quel son? Bah oui, t'es fou, je parle mais comme ça devant. Je sais pas, j'ai genre. Non, mais il avait les oreilles lui. Moi, je m'appelle plus de rien. Oh, allez. Non, tu dis rien, papa. Si, je dis rien, papa. Non, tu dis rien, papa. Ah oui, j'ai appelé. Si, je vais dire. Ah. Ah, je m'appelle ça. On est où là? Je sais pas. Attends deux secondes. On va aller se coucher. Hein. Incroyable. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes nos vidéos, on fait compte que c'est des cartoons. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais c'est encore plus marrant. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. L'essence même des parodies, bro. Exactement, l'essence. Oh, j'ai faim. En fait, la vidéo, c'était carrément un fond noir. Enfin, quoi, est-ce que ce genre de vidéo fonctionnait aujourd'hui? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un podcast, hein, limite, hein, frère. Mais t'es dégueulasse. Alors, non, si on publie aujourd'hui, je pense pas que les gens, parce qu'ils auraient vu un écran noir, ils auraient fait défiler direct. Pourquoi je me rappelle pas de cette scène? Moi non plus. Attends. Les gars, je pense que tout le monde sait, tout le monde se reconnaît. Voilà. Tous les pots ici, là, à moitié vides, ça c'est le truc terrible, des trucs où ça date depuis des mois qu'ils sont là. On n'utilise jamais. Oui, non, mais surtout ce sont des pots de confiture, mais il n'y a pas de confiture dedans. Exact, merci beaucoup. Il n'y en a pas. Merci beaucoup, pas, frère. Tu connais. Dans ma porte, des fois, je vois, c'est là depuis longtemps. Ah oui, moi aussi. Toi aussi. Dernièrement, j'ai jeté justement mes petits bocaux en verre, je me suis dit, wow, mais il y avait de l'écosystème dedans. C'était dégueulasse. Ouais, il y avait des trucs carrément de 2022, frère. Oh mon... Par contre, ça buvait bien du vin, hein, en tout cas. Hein. Un voleur? Attends un peu. Mon...
Je crois qu'il y a tous les sauts, même de notre père. Un. Deux. Trois. Flash info, hier soir, un jeune homme a été retrouvé mort chez lui. Bon, du coup, les gars, nous allons regarder la vidéo quand tu es au toilette. 1,7 million, frère. Purée, à 5 ans. Wouah. Ah, je suis choqué. Choqué. Comme dirait jeune, je suis choc-bar. Je suis juste de manger. T'as perdu toute crédibilité en 2 secondes. Toujours le défrisage et tout ça. Toujours un... Par contre, c'est ouf. Par contre, un truc que vous te faites, c'est que ces draps là, frère, c'est pas possible. Sous chaque vidéo, c'est là. On dirait les gens vont penser qu'on a... on change pas nos draps, mais si, si. En fait, vous inquiétez pas, il y a des machines tout le temps. Donc, non. En gros, les gars, c'est ici, j'ai mis en fin de compte. Il y a des images, on sait pas du tout, mais c'est des images où je disais, ok, vas-y, il faut qu'on ait 1 million d'abonnés. Donc j'avais imprimé en mode tout un truc et je disais à Sian, vas-y, on aura 1 million. Et à chaque fois, comme ça, on pourrait regarder. Et chaque fois, on se rappelait, ok, il faut avoir 1 million, il faut avoir 1 million d'abonnés. Il faut faire des rêves, les gens. C'est son vision board, quand même. Voilà, vision board. Donc voilà. Ah, c'est vraiment ça comme toi, là, je suis. Ouais. Tu te rends compte que tu peux aller aux toilettes et en même temps toucher l'électricité, frère? Waouh! En 2 secondes, j'ai fini. Attends, non, merde, c'est bon. Étaler le beurre. Sur le pain. Oh, non, c'est. Pour ceux qui ne savent pas, c'était. Enfin, c'est sur Snap et Insta. En gros, lui, il avait fait une story, il a écrit une chose, il avait étalé le beurre. Et du coup. Sur le pain. Et du coup, voilà. J'ai nombreux, franchement, les bureaux, à chanter ça. Du coup. Je te jure. On a mis une télé et tout. Branché et tout, parce qu'il y avait une prise. Oui. Dans la toilette, donc du coup on a juste branché et en fait c'est un écran bleu qui est là en fait. Y'a rien. T'as fini de combien de temps là? Hein? 1 heure 2. Ok. Tiens. Simple, efficace. Un intrus dans les toilettes. Tu sais que je m'appelle même pas dans les vidéos. Non, je sais plus, non plus. Ah oui, avec ta petite coupe comme ça là. Je jure. Oh. Non, t'as fait exprès. Pour tous ceux qui doutent, il est bien arachnophobe, les gars, c'est une dingue à chaque araignée que Steven voit. Oh mon dieu! C'est une vidéo, Seb. Mais le même, je vois une araignée, je vois une vidéo de nous. Carrément, t'as vécu la scène. Oui, mais t'as très bien, quand on l'a tourné, j'étais quand même pas... Oui, t'étais pas sûr. Je sais que c'est une fausse, mais c'est la forme, Oh, c'est dégueulasse. Non. Non! Oh non! C'est nous, papa, écoute, c'est ça, c'est pas grand-chose. J'ai pas frappé pour ça quand même. Je vais même pas découter ça, c'est des coups de poing, frère. Ah ouais! Hey, la scène est incroyable! Faut qu'on refasse un movie VS live. Oh, ça date. Ça date qu'on a pas fait ça. Ah, si je rappelle celui-là! Oh non! Oh non, les gars! Pourquoi? Pourquoi? Non! En plus, je porte toujours le même polo, frère, que j'ai usé! Jure! Ah, t'es la saignée, hein! Aïe, aïe, aïe! Non. On n'a pas le droit. Je suis désolé. Oh mon dieu. Non mais on a vraiment fait ça. On n'a pas le droit. What? Oh non. Oh mais je suis vraiment choqué. Mais c'était quoi cette vidéo? C'est quoi cette vidéo? Elle a fait 8 millions, c'est ça? Mais t'as vu les conneries qu'on a fait là-dedans, frère? On s'est lâché. Bon, selon les mots, ça passe toujours. Mais il y a des moments, tu vois, on allait vraiment fort. Mais à chaque fois, il y avait des gens, qui nous avaient dit. Cette vidéo, je m'en rappelle. Ils nous avaient dit, en tout cas. On était trop loin. On allait un peu trop loin au niveau de l'humour, de faire attention sur les choses. Oh, c'est ce que les gens, ils kiffent. C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve que l'humour d'aujourd'hui, tu ne peux pas faire en fin de compte tout ce que tu veux. Il y a tellement de choses qu'on veut faire. Mais quand on a il y a des vidéos que j'envoie à Steven, que j'ai fait, j'ai tourné solo, où Steven l'a envoyé, et des fois on est en mode. Ah non, putain, c'est hyper,
mais hyper marrant. Mais on ne peut pas. On peut pas publier. Si vous commentez, si vous dites, allez-y, balancez, on balance. Les gars. Franchement, on s'en fout. Oui. Nick. Et franchement, mais seulement si on voit qu'ils sont vraiment chauds. Oui. Et s'ils nous disent oui, et vas-y, fin de carrière, on arrête. Allez, on y va. Vas-y, on y va. On a une bonne carrière, c'est bon. On finit en mode comme ça. Ah, genre, on finit en beauté. Je suis pas bien là, je suis pas bien. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Faut que j'aille aux toilettes. Pibi? Non, non. Quoi? Maintenant là? Oui, je me rappelle, c'est moi qui l'ai joué cette scène. T'as 3, 2, 1, putain, ça m'a bien fou rire. J'ai moins de matière. Allez, je peux le faire. Oh, pauvre Dieu. En un coup, c'est facile ça. J'ai déjà fait. Allez, 3. Fais vite là, t'en as pour moi, les mecs, ils ont dit là, faut que t'as rien à marcher. Ouais, c'est pas ma faute, sinon ça fait mal, hein, d'accord. Quoi, c'est marrant, j'ai fait un caca en un coup, ça fait mal, hein. Oui, oui, c'est marrant. D'accord. Super, c'est bon, d'accord. C'est la fin de la vidéo, abonne-toi. Oh mon dieu, non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous dire, parce qu'en fin de compte, on s'est dit, est-ce qu'on refait les intros avec le générique, avec le logo qui apparaît sous une nouvelle forme? Est-ce que vous voulez ceci? Est-ce que vous voulez également qu'on refasse les intros, mais dans la scène? C'est plein de choses, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, les vidéos, c'est avec vous qu'on les fait. C'est un travail d'équipe, c'est ensemble. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, on veut faire les meilleures vidéos possibles pour vous. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous dire dans les commentaires, nous faire des suggestions aussi de vidéos vous voulez qu'on fasse, ou même des sujets. Parce qu'en fait, nous on a beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Et après, bien sûr, il faut quand même le reconnaître. Ça fait quand même 10 ans qu'on fait des vidéos. Et en 10 ans, les choses évoluent beaucoup. Donc ouais, forcément, il y a des choses qu'on connaissait de base et qui maintenant, il y a certaines choses, par exemple, qui peuvent nous dépasser ou qu'on n'est pas au courant et tout. Donc c'est pour ça que c'est bien l'entraide qu'on voit ce que vous dites dans les commentaires. Comme ça, on sache que vous, vous aimez au sens d'intérêt. Et en fonction de ce que nous, si on aime, on rassemble tout. Ça fait les parodies, bro. Chipouden. Ouais, je te jure, ça fait plaisir, on a hâte de 2024. 2024 oui. Arrive pour vous balancer tout notre projet, tout notre humour, tout notre étalage, parce qu'il y aura des annonces. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Ah non, mais clairement pas. Vous êtes pas prêts. Clairement. Voilà, prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs. Et sur ce, les gars, ciao. Ciao.